Pone matumba ni ponani limbale lembuli wase poli matopo tomunya. Nous allons parler aujourd'hui du phénomène de mari de nuit et de femme de nuit. Nous avons tous entendu parler plus ou moins du phénomène de mari de nuit et de femme de nuit, qui est une réalité dans la vie des hommes et des femmes. Nous ne nous rendons toujours pas compte que ce phénomène a un impact important sur le déroulement de notre vie physique et spirituelle. Qu'est-ce que le mari de nuit ou bien une femme de nuit? L'esprit de mari de nuit, appelé incube, est un esprit qui séduit la femme et qui abuse d'elle pendant son sommeil par des relations sexuelles dans le rêve. Chez les hommes, on parle de l'esprit de femme de nuit ou encore de succube. C'est un esprit femelle qui, sous l'apparence d'une femme, a des relations sexuelles également dans le rêve. Comme le nom l'indique, l'esprit de mari de nuit ou femme de nuit sont des esprits qui s'unissent par le lien du mariage aux personnes qu'ils possèdent dans le spirituel. Si nous sommes persécutés par ces esprits, c'est parce que spirituellement, d'une manière ou d'une autre, consciente ou inconsciente, nous sommes mariés à ces esprits. Les portes d'entrée dans notre vie. Nous avons les liens de famille. Lorsque les parents idolâtres confient leurs enfants à des dieux, aux fétiches, aux voyants, aux autres, ceux-ci peuvent devenir des esprits de mari de nuit ou de femme de nuit dans la vie de ses enfants. Mais là, je précise que c'est selon les cultures, selon les croyances. Parce que toutes ces choses ne sont pas pareilles n'importe où. Dans d'autres cultures, ce sont des choses normales. Mais si ce sont des choses incontrôlées, ça apportera des situations difficiles à gérer. Il y a le désir d'avoir une personne. Des fois, nous sommes tellement obsédés par le désir d'avoir une personne que cette obsession devient une porte d'entrée à cet esprit. En effet, l'esprit prend la parole de cette personne et a des relations intimes avec nous dans nos rêves. La sorcellerie. Le sorcier, dans le but de nuire à notre vie, prend l'apparence d'un homme ou d'une femme pour avoir des relations intimes avec nous dans le rêve. L'impudicité et la prostitution. Vivre dans l'impudicité, c'est-à-dire des relations en mariage, et la prostitution ouvre des portes aux démons de nuit et de femmes de nuit. Les pactes que nous tissons avec le diable, à travers la voyance, le maraboutage et toute forme de pratique de ce genre, nous devenons liés à ces esprits qui peuvent se manifester aussi sous forme de mari de nuit ou femme de nuit. Et là, je tiens toujours à préciser que c'est selon les croyances. L'esprit des eaux ou la sirène des eaux, c'est un esprit qui influence la sexualité des gens et qui conduit dans toutes sortes d'abominations sexuelles. Lorsque tu es possédé par cet esprit, il peut se manifester sous la forme de mari de nuit ou de femme de nuit. La pornographie, la masturbation et l'homosexualité sont des portes d'entrée pour cet esprit. Suivez très bien ce passage. La pornographie, la masturbation et l'homosexualité sont des portes d'entrée pour cet esprit. Donc méfiez-vous, vous qui faites la pornographie, vous qui aimez vous masturber, vous qui faites des pratiques contre nature, l'homosexualité, la zoophilie, ça ce sont des abominations. C'est des portes d'entrée pour cet esprit maléfique. Faites beaucoup attention. Si vous prenez du plaisir à faire ces pratiques, sachez que c'est des voies que vous donnez à ces esprits, mari de nuit, femme de nuit, ces esprits maléfiques pour vous posséder. Lorsque nous refusons ou nous n'arrivons pas à faire le deuil d'un conjoint décédé, cela peut donner l'accès à cet esprit dans notre vie. Il va prendre l'image du défunt ou de la défunte
pour avoir des rapports avec nous dans un premier temps. Et après, il prendra n'importe quelle apparence pour avoir des relations intimes avec nous en rêve, mandaté par le diable. Il arrive que le diable puisse envoyer spécialement cet esprit contre une personne dans le but de détruire et de créer un blocage dans sa vie. Dans ce cas, nous ne sommes pas possédés de cet esprit, mais il nous attaque. Vous allez voir, il y a des gens qui se plaignent beaucoup de blocages. Blocage dans les affaires, blocage dans le mariage, blocage dans le travail, blocage dans les relations intimes. C'est à cause de ces mauvais esprits, de cet esprit maléfique. Comment donc savoir si c'est une attaque ou si nous sommes possédés? C'est en fonction de la fréquence d'apparition de cet esprit dans nos rêves. Si le mari de nuit ou la femme de nuit ont des rapports sexuels avec vous de manière courante dans vos rêves, c'est que vous êtes possédé. Mais si c'est de manière occasionnelle, alors c'est une attaque de l'ennemi. Quand on dit ennemi, c'est-à-dire des personnes qui vous veulent du mal, des sorciers. Et comment se manifestent-ils? Ils se manifestent par des rapports sexuels dans les rêves et par des attouchements. Lorsque vous rêvez, vous voyez dans vos rêves, dans votre sommeil, vous avez régulièrement des rapports sexuels. Vous avez des attouchements. Vous avez des envies de vous masturber. Faites très attention, c'est des signes de mari de nuit ou bien de femme de nuit. Parce que ces mauvais esprits viennent toujours avec une face cachée, quand ils ne veulent pas que vous les remarquez. Parfois, ils viennent avec la part d'une personne dont vous avez confiance en lui, en cette personne. Et ils profitent maintenant pour avoir des rapports sexuels avec vous dans les rêves, dans le sommeil. Comment œuvrent-ils? Et quelles sont les conséquences dans notre vie? Petite à son œuvre. À chaque fois que le mari ou la femme de nuit ont des rapports sexuels avec une personne dans les rêves, ils sèment des graines qui sont utilisées contre nous. Je donne un exemple. À travers les rapports dans votre rêve, il peut s'aimer la colère en vous. Cette colère peut être dirigée contre une personne et dans ce cas, au réveil, sans aucune raison, vous êtes en colère contre ce dernier. Cette colère, qui n'est pas ordinaire, a pour but soit de détruire votre relation avec ce dernier, soit de donner un accès à l'ennemi dans votre vie pour accomplir une chose précise. Petit b, les conséquences. Dans un couple, par ces rapports, il peut anéantir du jour au lendemain les sentiments que nous avons pour notre conjoint ou notre conjointe. Il peut enlever le désir d'avoir des relations avec notre conjoint ou conjointe et mettre le debout à la place dans le cœur. Mettre des disputes incessantes dans un couple et les amener au divorce. Entraîner la stérilité dans des couples, car dans le spirituel, l'un des deux a des enfants avec cet esprit de nuit. Effectivement, il y a des gens, des personnes qui, physiquement, sur le plan physique, n'accouchent pas, ne font pas des enfants, n'arrivent pas à enfanter, mais que dans le spirituel, dans ce monde-là, ils ont des enfants avec cet esprit de nuit. Pour les célibataires, ils vous empêchent de vous marier en vous empêchant de croiser quelqu'un ou à chaque fois que vous croisez une personne qui va vous faire sortir du célibat, ils sèment la division et la séparation entre vous. Dans nos projets, à travers ces semences, cet esprit met le blocage dans tous nos projets, dans tout ce que nous prétendons faire, dans tout ce que nous voulons entreprendre. Il met des blocages, rien ne marche. Tout est au point zéro. Parfois, ça fait semblant de vouloir marcher, mais il y a blocage après, parce qu'il ne veut pas votre réussite. Notre vie spirituelle, il sème la mort et la douleur spirituelle. Il chasse en vous l'Esprit de Dieu, car à chaque fois qu'il a des relations sexuelles avec une personne, il la souille. Si rien n'est fait, cette souillure éloigne le Saint-Esprit de cette personne. Enfin, comment combattre ces attaques? Lorsque nous faisons un rêve et que nous avons une relation intime avec un homme ou une femme, ou encore lorsque nous subissons des attouchements jusqu'à l'éjaculation ou orgasme,
nous devons, une fois réveillés, prendre autorité contre cet esprit. Il faut détruire ce qu'il a semé dans notre vie à travers cette relation et annuler ses plans contre nous. Vous allez voir, vous allez constater que souvent dans les rêves, vous êtes approché par quelqu'un en qui vous avez beaucoup confiance, par quelqu'un dont peut-être dans la vie vous avez de l'estime pour cette personne. Parfois, pour vous souiller carrément l'esprit, pour vous faire avoir des tourments dans votre esprit, cette personne peut venir avec l'apparence, le physique d'une personne de la famille, soit votre papa, ou bien votre maman, ou bien votre soeur, et a des rapports avec vous dans les rêves. Et quand vous vous réveillez, vous êtes totalement troublé, vous êtes totalement dérangé. Que comment ma soeur peut me faire ce genre de choses? Comment mon papa peut me faire ce genre de choses? Comment ma maman peut bien coucher avec moi dans les rêves? Mon papa est dans les sorciers. Ça fait toujours partie des plans du mauvais esprit, de cet esprit magnifique pour vous détruire. Et il y a aussi le fait qu'il vient toujours, comme je l'ai dit tantôt, pour que si c'est une personne dont vous pouvez remarquer, vient avec la face cachée. Il a des rapports avec vous, vous ne pouvez pas voir son visage. Des fois, comme je l'ai dit, le genre d'homme que vous aimez, votre homme idéal, votre femme idéale, il vient avec ce physique. Parfois, quelqu'un que vous estimez dans la vie, il vient avec l'apparence de cette personne et entretient des rapports avec vous régulièrement. Et finalement, devient votre amant ou bien votre amante, si bien que les rendez-vous deviennent fréquents. Les relations deviennent fréquentes. C'est lui qui commande votre vie. Et aussi, il y a le fait que c'est un esprit très jaloux. À cause de cette jalousie, vous n'arriverez jamais à vous marier. Vous n'arriverez jamais à vous mettre en couple avec quelqu'un. À peine vous êtes en couple avec quelqu'un, il détruit cela. Il chasse cette personne. Si vous êtes victime de couches de nuit, bien de mari de nuit, faites appel à moi. Je veux vous délivrer. Je veux vous soigner. Et vous faire retrouver goût à la vie. Je fais des traitements à distance. Où que vous soyez, aux États-Unis, en France, en Europe, en Allemagne, en Chine, ou bien n'importe quel pays d'Afrique. Depuis ma base, depuis mon temple, je vous soigne à distance. Vous me contactez, je vous fais une consultation et je vous dis de quoi vous souffrez. Et puis, je vais vous faire une ordonnance et vient par la suite le traitement. Et je fais le traitement par télépathie. Confiez-vous à moi, je vais vous délivrer du mari de nuit ou bien de femme de nuit.